Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Profiter le moment pour nous tout rappeler à tout propriétaire de véhicules et les conducteurs de véhicules en particulier que article 138 décret 26 mai 2006 là qui parlait de toute machine qui est en mauvais état. Parce que nous constatons qu'il y a un paquet de machines qui est en très mauvais état. Machine yo sale, caoutchouc chauve, l'homme ou la machine yo ka yo prêt toucher le rad sur vous. Donc nous demandons yo puis on prend disposition pour que ce n'est pas nous-mêmes qui retirons dans la rue. Parce que incessamment, on n'a pas envahi la rue pour retirer la machine sur le niveau de garage. Donc, nous ne parlons pas au dépourvu. Nous faisons rappel là, malgré la loi existe sur ça, nous faisons rappel là pour dire que prends la machine parce que incessamment, on n'a pas envahi la rue pour retirer la machine sur le niveau de garage. C'est l'article 138, la décret 26 mai 2006, qui est la loi qui réglemente la circulation en Haïti. Tout côté qui a une machine qui a circulé, qui a une machine qui a mauvais état, mais c'est ça, prend office là. Circulation, c'est l'instance qui est responsable. L'instance centrale de tout le bureau de circulation, c'est la direction de circulation qui porte au presse. Vous avez depuis une mesure passée dans la direction de circulation, donc c'est pour ça qu'on va l'appliquer dans toute circulation qui est en province. C'est vrai, service d'inspection n'a pas fonctionné. Qui est l'inspection là? Il est là pour inspecter machine. Ce n'est pas là qu'il y a l'inspection, il est là inspecter machine. C'est où tu as venu? C'est la période qui est définie pour que venir à la machine à venir inspecter pour montrer qui est ta machine là. Ça pas en raison si le service d'inspection n'a pas fonctionné au même tout pour ne pas prendre sur machine. Parce que la machine là, c'est mon la poté. Et même si tu as poté bête, il y a une façon pour mettre bête là la machine là. Voir pour ta poté moun. Donc, je voulais rappeler, puis on prend mesure pour que ce n'est pas nous-mêmes qui forcer à retirer la machine dans la circulation. Parce que incessamment, nous allons envahir la rue. Là, pour retirer les machines dans la circulation pour une dans le garage. Donc, pour ne pas dire que nous prenons au dépourvu, nous faisons rappel là, à titre des bons pères de famille, nous disons, mais ça ne peut pas arriver. Bien qu'il y ait un la rue déjà, vous comprenez? Alors, pour question côté posée tout à l'heure, est-ce que tout côté, la loi ça va l'appliquer? Oui, c'est la loi sur la circulation, l'applique dans tout le pays. Mais sauf que nous plus concentrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, ou après les plus efficaces dans Port-au-Prince et dans les villes de province. Mais ça ne veut pas dire que la loi ça n'est pas valable pour les villes de province. Si c'est un pile véhicule privé, IT, qui met Géofa, qui met Sirène. Je voulais rappeler que l'article 152, alinéa E, fait obligation, c'est seule machine police, pompier, ambulance qui doit avoir Sirène, qui doit avoir Géofa. Donc, nous rappelons la machine Sayo, qui est Géofa, qui est Sirène, puis on retire parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas retirer au prix. Et les gens sanctionnés. Parce que d'après l'article, répétez vous l'article 152-E, dans le décret 26 mai qui c'est loi qui réglemente la circulation en Haïti, c'est le véhicule police, pompier, ambulance qui doit être sirène à Géofa. Alors, à bon entendeur, salut. Travail que nous commençons dans la période fête là qui se passe hier. Tout d'abord, nous avons subi une question, et, alors, une période cyclonique. Côté que tabac, nous avons une majorité rue presque en terre battue. Donc, c'est ça que fait depuis l'administration s'est installée, elle a pris l'initiative pour être capable de commencer à construire une route. Dans la commune, dans surtout route qui a un rapport, alors non seulement qui permettent que y ait des débouchés qui fait c'est dans le contexte à tout, nous avons tabac 48 qui était fini. Actuellement, là, nous avons un tabac 25 qui a 60% qui a 60% d'exécution et que dès la semaine prochaine, donc nous allons redémarrer avec construction route là. Donc c'était fait. Moun qui peut être libéré en prise route là qui fait que route ça peut être fini. Donc finalement population lui te répond très bien fait que et cette semaine prochaine nous a commencé avec route là. Entre temps et nous le fait que nous pas tout côté à la fois
Ça veut dire que nous, comme nous gagnons grader, nous gagnons bacolodeur, nous gagnons plusieurs matériels, donc que nous mettons à disposition de la population. Côté que on a constaté dans plusieurs quartiers, nous voyons et nous voyons faire des travaux de terrassement dans le quartier Sahel. Principalement, nous avons travaillé, nous avons une zone Tabac 23, où il est mangué. Nous avons une route bord de GIA, tout bord de GIA Tabac là. Donc, tout, et puis nous avons une classe 8 et classe 12 aussi, qui actuellement est gradée à passer, la permettre, améliorer la situation et route là, permettre que nous nous-mêmes, donc côté qui a tout de l'eau, tout ça, nous passer gré de là-dedans, et puis pour nous être capable de passer une fête qui plus ou moins, et de la mesure du possible, que au moins, il y aurait que Mairie lui-même n'est pas oublié. Entre-temps, mais pour question assainissement, mais il y a c'est une mairie qui est toujours à l'œuvre. Côté que toujours gagner des travaux d'assainissement qui a fait, nous avons un camion qui est presque 7 sur 7 qui a travaillé pour ramasser Fatra. Parce que d'autre part, nous connaissons que la commune Tabac, c'est une commune qui est trouvée en aval. Donc après saison pluvieuse, tout déchets qui sortent soit d'Elma ou bien Pétionville ou ailleurs, eh bien, ils viennent transiter, ils viennent à Tabac, surtout. Ils viennent déverser à Tabac. Donc, quand là, ça vient augmenter charge nous après saison pluvieuse. Donc, nous faisons un pile travail curage. Ajouter à cela, nous avons route Kazoa qui a gagné un pile problème qui t'a bâillé depuis des mois d'avance. Nous avons commencé à faire des interventions, mais c'était juste après saison pluvieuse là, nous étions capables d'arriver, eh bien, finaliser un pile notre travail. Donc, nous avons un pile support tout, bon côté population, gain des business qui qui te permettent que de travail qui t'accompagne et tout. Et je n'ai avec mes problèmes, non, nous sommes capables de faire plus. Et selon l'administration, il y a un petit problème budget. Budget par rapport avec. Et, alors, ce n'est pas que les contribuables pour payer, mais par contre, c'est DGI qui lui-même a fait mise à jour dans le système, fait que les programmes que nous faisons, eh bien, nous n'avons pas de moyens pour nous être capables de couvrir alors toute commune net dans le cadre de travail. Mais par contre, et en termes de palliatifs, avec le peu que nous te joignons, donc par rapport avec les réserves que nous avons gagnées, eh bien, nous arrivons à mettre matériel dans la route. Et puis, jusqu'à présent, le matériel est en travail. Actuellement, nous sommes capables de nous placer dans la classe 12, là, pour que le travail continue, bien que nous pouvons avoir des moyens pour nous faire caniveau et puis faire des vêtements sur toute route. Mais, de temps en temps, nous visiter un quartier et puis nous passer grader là-dedans. Là. Donc, nous gagnons depuis 27, nous avons passé grader dans une galette de greffin, côté que, eh bien, et bon côté, quand tu as baissé ça, donc c'était un véritable problème pour que le monde ait été circulé. Donc nous avons monté, nous avons une amélioration. Chaque côté, la population identifie un bagage, nous avons déjà dit, nous n'avons pas de moyens pour nous faire toute route, un seul coup. Parce que peu à peu, nous avons fait un tronçon. La commune d'Abar, c'est une commune qui est particulièrement une commune très difficile. Assainissement toujours fait en permanence là-dedans, malgré que nous toujours dit que la commune est sale, bon, bah, a dit commune d'Abar seulement, presque tout le pays. Hein. Nous avons un problème d'éducation au niveau de l'éducation population qui n'est pas faite, qui est toujours plagué fadra dans toute la rue, tout côté. Et nous-mêmes, au niveau de Tabac, nous toujours fait assainissement. Avant même le programme national d'assainissement a commencé, Mairie Tabac a déjà fait partie par là déjà. Nous avons mis en pile jeunes dans la rue, nous avons fait un programme d'assainissement au niveau des quartiers. Et ceci, quartier que nous avons fait assainissement là-dedans, nous avons fait un programme avec des jeunes. Et jeunes, ça, particulièrement, qui vivent dans la commune, ils ont fait un travail qui est impeccable. Avec le projet la présidence, le projet gouvernement, nous mettons plus de monde dans la rue qu'on y a. Et
yo te campé pour 31 décembre là, nous va recommencer avec yo dès jeudi pour nous capable mettre plus monde pour gagner plus présence au niveau là rue pour nous capable faire plus toujours non seulement pour nous bailler jeunes au travail et en plus de ça tout pour nous capable assainir ville que nous ouais vraiment qui sale qui toujours sale et que population à tout pour nous capable faire sensibilisation parce que n'a toujours toujours sensibiliser peuple là au niveau de question de propreté, parce que question de propreté pas seulement au niveau que magistrat, parce que travail en magistrat pas seulement pour la nettoyer tout le temps. Mon âme jeté fatra, et bien travail et tout, c'est pour sensibiliser, éduquer le peuple, pour être capable de connaître qui côté pour mettre fatra, qui gens pour fatra ramasser, et pas tout le temps pour fatra ramasser, il faut que nous soyons capables d'éduquer tout, pour connaître qui l'heure pour jeter fatra. Nous avons touché 14 quartiers dans notre travaux d'assainissement, nous avons fait à raison de 10 par équipe, et nous avons gagné à peu près 14. Superviseur dans l'équipe et qu'on y a nous pour recommencer avec 17 équipes pour capable toucher plus monde maximum de monde que possible. C'est continuer avec le travail que nous avons commencé, surtout au niveau de tabac 25, que nous avons commencé au tabac 25 ans, nous avons continué avec aide population en tout, parce que nous avons côté de la population qui voulait encraser, qu'on y a nous que nous n'avons pas avancé à craser. Et au niveau de pouvoir central, nous avons un backup en pouvoir central qui prêtait mairie encore pour nous continuer avec le travail, parce que cette année 2020 était très très difficile, côté COP pas rentré, et nous avons été jugé bon au niveau de la présidence, c'était le travail. On a fait au niveau d'infrastructure routière, c'était très bon et on a accepté effectivement prêter nos corps au niveau de finances pour nous capables continuer avec le travail que nous avons commencé à faire. Yeah, et puis assainir, toujours propre tes villes. Ça, c'est une attribution que on mérite, on magistrat gagne, mais il n'y a pas seulement attribution que magistrat gagne pour ramasser Fatra 24 sur 24 et 365 jours. Sinon, tout l'argent communal pour aller dans ramasser Fatra. Lui dit qu'il mandait pour tout siège reprend côté article 54 puis dit que vous pas bail commissaire pas gain droit pour faire grève même pas tellement au moins juste barou des détails sur question des commissaires au moins qui viennent comme était dans période fin d'année majorité commissaire tout est toujours venu dans bureau mais la seule chose comme moi que tout commissaire là travail a recommencé et ministre l'a mandé pour yo recommencer travail et faut nous travail parce que l'état paye nous pour ça et moun nan prison yo a souffri. Il y a ce qu'on appelle détention préventive prolongée qui a plus de 6 à 7 ans qui est encore trop prolongée n'a pas mais ministre ça qui important c'est répondre avec revendication nous faut nous un petit cadre là parce que ça rejoint nous des droits hier ça idée là rempli formalité et là rempli formalité de GI yo mandé yo forcé nous faut nous signer lui. Parce que quand on est noir sur blanc que nous joignons, nous pas joignons. Ça faut que nous joignons maintenant, pas de mentir dans ça. Ça revient nous des droits. Conférence aujourd'hui, hein, c'est pour une conférence classique. Jean Confel, il n'a pas parlé du bilan partiel, du ensemble, cas que nous traitons. Mais son conférence capchita sur peut-être quelques points. Et n'a pas parlé tout de l'opération que la police témenait le 2 janvier 2021. Opération ça, t'es gagné plusieurs unités la police là-dedans, dont SWAT, BRI, Boyd, Simo, Udmo, également commissariat Croix des Bouquets, et qui était en support avec autorité légale qui est dans la zone Croix des Bouquets. En total, il y a 4 pistolets qui saisis, dont un pistolet de calibre 9 mm pour la police nationale. Pistolet ça, c'est pour un policier qui a été attaqué dans la zone Mon Cabrit. Et ces pistolets ça que nous joignons nommé M. Sayo.
un fusil d'assaut AR-15, deux armes fabriquées. Gagné 87 batch qui gagne écrit au FADH. Et n'a dit tout batch ça que nous récupérer yo DCPJ pour la guerre vidéo recherche des tout monde ça yo. Gagné tout 28 téléphones, 4 insignes BISAP, 2 véhicules confisqués, en total 8 arrestations lors d'opération ça. Malheureusement, t'es gagné 3 moun qui t'es blessé mortellement. Moun qui a arrêté yo, c'est Deluis Joseph, 57 ans, monsieur était sous-lieutenant dans l'armée d'Haïti et également ressortissant et américain d'origine haïtienne. Marcellus Lunis, 44 ans. Jean Rony Belfond, qui gagne lui-même 43 ans. Okel Pierre, 25 ans. Aris René, 24 ans. Herbens Nefli Deolus, qui gagne 24 ans. Et puis Renoir Aubert, 24 ans. Philomène, Philemon Deruis, 44 ans. N'a pas noté concernant Deluis Joseph. J'en suis dit, hein, monsieur ressortissant américain, origine haïtienne. Monsieur était à Ville-Boston. Monsieur est entré, il est passé par ce domaine. Il est venu à Haïti le 30 décembre 2020. Et c'est sous demande, collègue li dans l'armée, Audelins Bélisère, qui était venu chercher pour un renfort également, pour qu'il soit capable de financer le mouvement. Et monsieur Baïtet, non, chef révolutionnaire et libération Haïti. Pour le moment, yo continue à accuser des messieurs ça au niveau de la DCPJ et c'est certain gagner l'autre considération que nous va faire concernant le dossier ça. Direction centrale de police judiciaire arrêté le 23 décembre 2020 et Nahuel Vague, Patrick Junior 1100. Infraction reprochée, usurpation de titre. Mode opératoire monsieur, il créé un compte WhatsApp sur 31 20 81 25. Sous yon nom yon économiste de la place qui victime de lui et lui a demandé l'argent, il crée organisation tout, il fait moun quoi que c'est organisation là pour aider moun et puis c'est cop que l'a fait et bien plusieurs moun qui victime de lui dont économiste de la place ça que nous parler. DCPJ recevoir plusieurs plaintes, vraiment plus de 2000 plaintes pour année 2021, deux moun qui y a péré Léo sous téléphone, fait menace sous yo, dit yo que yo payé yo pour yo tuer yo, et yo dit mon nom, nous ou jeune, nous ou belle, vaut mieux que ou ba un petit cob, voye le sous mon cash, et pour nous capable pas faire ça, yo voye nous faire. Alors, monsieur ça, yo ça fait, yo entré sous mon cash là, yo fait étoile 202 dièse, et puis yo suive et procédure là, et puis yo vous un numéro de téléphone et puis yo dit mais monter à voyer et puis rapidement sauter sous mon cash non monter et puis pap yo prend non et puis yo prend téléphone là et ça fait les relo yo doué l'intel rapidement paniquer et nous comprenons ça et puis rapidement ou capable vous encore qu'il y a un autre mode opératoire rien qu'il y a c'est passer devant businessman et puis écrit un numéro dans petit carton yo lagué devant porte là et puis après yo fait connait que yo paye yo pour assassiner yo alors yo pas vrai assassiner yo voyez cob sous numéro ça qui occupé sous quatre là c'est des dossiers que n'a traité au niveau de la DCPJ et gen moun qui tellement paniqué qui même pour quitter pays hein les ba ça arrivé et nous connaît té grand pile plainte au niveau radio côté que moun yo t'a plaint de ça n'a travaille sous question ça et c'est certain que n'a privé pas épinglé ensemble de vagabonds de bandits saillants qui a créé peur dans la famille, dans la société. À savoir, ça qui était pratiquement attiré l'attention de tout le monde sur le réseau, 1er janvier, vraiment mauvaise nouvelle, côté que, gagné un jeune, Shirley Monfort, 20 ans seulement, qui perdu la vie le 1er janvier 2021, et c'est ménage lui qui assassiné a pu se passer 25 coups de couteau. Actuellement, auteur là, il est dans DCPJ et population après monsieur,
qui est Zenden Anderson Cheristal. Et c'est papa lui qui conduit lui dans le DCPJ. Et là, monsieur fin posé action ça, monsieur couru, l'a caché Claircine. C'est un assassinat, un crime sans pareil. Et si nous regardons des vidéos, côté que le corps, cher Léon, son bagage qui est horrible, c'est baigné en sang de la tête aux pieds, il prend un coup de couteau, tout côté, dans le col, dans la scène, dans le pied, dans la jambe, dans la tête. Gintou Metellus Fregens, qui a arrêté dans mon bien couché pour assassinat tout qu'il fait sous ménage, et puis il est enterré. Le 10 novembre 2020, ça a été fait dans la 5e section Grand Fort, Fort Jacques. Et c'est Mary Kenskoff là, après 17 jours, qui découvrit le cadavre là et on partit dans le col, bête a commencé à dévorer. Et monsieur lui-même, à savoir Metellus, t'a caché dans la zone mon bien couché. Pour le moment, et population après visage. Je nomme ça Metellus. 27 coups de couteau, cher mon fort. Petit jeune ça qui était perdu la vie du canapé vert. Le 1er janvier 2021. Et c'est papa, monsieur, qui vient avec dans les CDJ. Et même si c'est une posée action ça sous. Cher Ligue Montfort, 20 ans, lui courit la cachée Claircine. Zengden Anderson Cheristal. Assassinat de Nage. Plus de 25 coups. Zengden, qui ça fout sur tes faits comme ça? À vrai dire, ce n'est pas qu'on bagaille. Comme si on était gagné, en vue déjà, ce n'est pas ton objectif que je gagne pour faire ça. Alors, ce n'est pas mon objectif que je faire ça, alors pas gagné, vraiment comme si je pouvais faire ça. Parce que l'émotion est nègre, des fois, la vie est sentiment auto-aller, la vie est émotion auto-aller, plus de jalousie et tout. Des fois, qu'on fait des barres, pas un mot de compte, des fois, inconscient qu'on a pu agir sur même bonnet. 25 coups de couteau. Pas dans l'émotion. Combien de temps tu as gagné en ménage? Il est avec lui en 2017. Est-ce que tu as une discussion avec Marvel? Oui, c'est quand même dans toute relation. Des fois, toujours comme des disputes. Ok, après 3 ans, quelle est l'idée qu'on peut avoir balle de couteau monter dans la tête? C'est pas l'idée qui monte dans la tête. C'est l'église 21, dans le masculin. Et puis, il y a sorti. Et puis, il y a eu un téléphone qui s'est descendu de côté. On a même dit côté. On a même dit une église. Il m'a dit qu'on s'en va à l'église. On a dit qu'une église. On a dit qu'il y a une église. On a dit qu'il y a une église. On a dit qu'il y a une église dans la boule d'école là. On a dit qu'il y a une église de côté là. Et pas même pour toi dire. Mais qui est-ce? Il m'a dit avec lui. Mais qui joue pour elle là même? C'est dans lui qui est ensemble avec lui parce qu'on va aller à l'église en disant qu'il a sorti. On a demandé de dire ça, on a fait ça, on a dit qu'il faut que tu aies fait, etc. On a dit, ah, ça va être un peu plus tard, on va dire ça. On a dit, mais ok, on a dit la faute avec le partenaire. On a dit, étonné qu'il faut sortir, moi-même, dès qu'on va être dit, moi, on s'est apporté le 1er janvier. Ok? On a même pas un peu de temps, juste dit qu'on ne savait pas de vrai. On a dit, comment on va sortir, moi, je vais essayer de brancher de l'autre côté, parce que mon relation n'a pas marché, moi, c'est ma couleur qu'on a dit. Et puis, on a sorti, on a dit, on dit, pas ça, il faut que tu aies un visage. Je suis un peu plus de temps. Sur toute l'incréation, nous continuons ensemble, les mois de la caméra, les intonnés, nous allons ensemble. Et puis, en mois de décembre, quand on commence au mois de décembre, il devient comme ça, que le souhaité tourner sous décision. Alors, c'est pas une actualité. Je pense à Richelet qui est venu avec Koutoua, sans doute, il est venu faire action, qui est-ce que tu as blessé au même?
nous même les d'avancer sur la couteau on d'avancer pour faire d'avancer prendre d'avancer sur la couteau là d'avancer sous les couteau la même voilà même d'avancer prendre la même on est juste pour gratuiter on d'avancer même faire un premier geste avec même juste pour gratuiter nos deux mains l'LBC première fois pas paniquer ça va le 24 protocole par contre combien il est exactement le B au chute assassinat de pêche du ménage le 10 novembre 2020 dans 5e section Grand Fort Jacques. Monsieur Jeffel, l'émission sérieuse. Et c'est après 17 jours que l'Américain Scotland découvre le cadavre. On partit encore de plus en plus nombreux. Et monsieur Al-Caché, mon bain, couche. Alors, monsieur Guédin, 6 ans. C'est quoi, il y a un peu d'avion? Vous m'avez parlé? Non, on peut essayer, moi, non. Il a... Le domaine d'énergie électrique là, nous plus près de aujourd'hui, nous pas trop loin. Réforme ça, je dis nous pas assez aujourd'hui. Il était difficile en ville. Après le monde n'a pas payé pour le résultat arrivé sur lui, mais il n'y a pas assez qu'on y a. Réforme énergie, ça la cause pays a été prendre. Il y a des jours, Haïti est venu, il est méconnaissable. Haïti tout le monde, dans l'autre sens là. Ce n'est pas l'île même qui vient dans votre électrique. Mais c'était l'île même pour quand il fait. Mais nous t'es gagné. Parce que nous te connais, ça est important pour le pays. Pas de aucun pays sur la terre qui a parlé de développement sans énergie électrique. Je dis à nous commencer le résultat. D'ailleurs, nous connaissons déjà que l'appel de financer, qu'on y a une phase de résultat pour la zone Banodès. Nous voulons parler de commune Wanamé, commune Ferrier, commune Folliberté, commune Terrier Rouge, même là nous voyons qu'on y a Terrier Rouge, commune Grand Bassin, commune Perche. Commune Trou du Nord, même les Trou du Nord, courant. Commune Sainte-Suzanne, commune Garacol, commune Limonade, avec commune Quartier Morin, que nous connaissons pas sur les zones de ça. Mais pendant nous disons appel d'offre une fête, nous profitons, occasion pour nous dire, nous nous allons avec nous, Fort Liberté, nous Ferrier, nous-mêmes qui par exemple participer dans les affaires courant 24 sur 24 pour pas Caracol là-bas. Là. L'électricité d'Haïti a privé sur nous. Notre système n'est pas trop coûte. Nous n'avons pas même besoin de parler combien de trimestres, on parle de mois du tout. Nous avons même, nous avons liberté, à Pinferier, EDH, pareil. Aller visiter Centrale, chez Rouya, dans le cas de liberté, nous avons un travail qui commence à faire pour recevoir surprise que EDH réservé pour nous. Moun, nan Mamlan, Saint-Michel de la Galaye, Saint-Raphaël, Pignon, Ren, quitte la victoire, mon bien rochu, nous en bout de ligne. C'est ça que t'as le songe. Nous, on tire courant qui sont télés qui viennent rejoindre nous. Algade, nous passons à la section communale. Que construction comment c'est fait pour recevoir surprise. Qui est EDH à côté de nous. Pour que mon central qui vient ici dans Saint-Raphaël pour alimenter tout côté de nous dirait. Nous, au Cap Haïtien, nous connaissons que gagner projet pour alimenter au Cap avec un parti dans le Port-au-Prince avec l'affaire bateau courant. Mais jusqu'à présent, comme nous connaissons, nous ne sommes pas là pour nous violer la loi. Dossier. Il y a un petit problème, il y a un niveau CNMP, EDH a travaillé, ANAC a travaillé, mais en attendant, nous n'avons pas quitté nous. Tant pour ne pas tourner pour attendre. Nous avons songé ancien central Saint-Philomène. Centrale
qui en vont au barrière bouteille ou venir sur la main gauche pour te prendre dans mon dans ces secteurs qu'on alimente cap ici. Je vous dis à décision prend pour que EDH réserve une surprise pour nous. Mon cap a décidé ça commence à faire dans un grand là, n'a comprendre rien. À tout qui commence à faire pour surprise EDH pour nous pour le voter pour nous pour augmenter capacité au cap pour nous passer dans un 24 sur 24 là. Mon pote, hier, mon docteur Calix tweet sous transformateur qui vivait. Ça veut dire central qui va l'alimenter en sa folette, Saint-Louis-du-Nord, La Pointe, Port-du-Père, Chansol, Albatin-Bléa, central là, presque fini. Transformateur, j'ai eu même un plus de soucis, mais je vous fais une surprise là hier. En 20 années 2020, fini, vous voyez transformateur. Ça veut dire qu'il peut permettre que le courant pour le produit a sorti pour aller sur les jours. Nous n'en bas dans l'ouest, nous BDN, nous n'en bas de police, nous n'en Saint-Nicolas, nous Jean-Abel, nous n'en bas de bord de mer de Jean-Abel. Nous sommes à me dédiner dans la réunion que tu as fait. Un programme pour nous qui commence le 15 décembre, qui a fini le 15 juin, un grand programme ça. On a construit un réseau électrique pour interconnecter quatre communes bas nord-ouest avec deux autres communautés que nous sommes situés là. Et en ça, nous pas oublier mon dame Marie avec mon côte de fer, côté réseau qui est passé. Ça veut dire, courant, ce n'est pas à faire. Votre principe, comment c'est une amélioration, je vous dis seulement. Ce n'est pas à faire mon Kafou, qui est une grosse centrale électrique qui a construit Kafou, magistrat Kafou, moi là, qui a suivi les centrales là, jour et nuit. Ce n'est pas à faire. Saint-Marc, qui connaît que nous dépassons Saint-Marc depuis que nous avons passé, depuis que nous avons visité, nous avons gagné surprise par le DDH à côté de vous. Nous sommes naïfs, Captain Demla, nous connaissons que nous avons fait net. Il y a un petit effort qui fait bien deux moteurs préparés. Mais bien sûr, après arriver d'ici mois janvier, ça. Pour que central qu'on arrive là, il faut tourner avec 12 MW normal pour nous allumer Roumon, Henry, Lester, Dédu, Grande Saline sous central ça. Parce que pour ne pas oublier, mon machin de Saline, il y a propre central pas aujourd'hui. Mon Timilière, mon Liancou, mon Verret, il y a une centrale. Centrale qui a finalisé, centrale d'Ouéa, que nous passons. À 3,2 MW, je dis à tout neuf, nous croyons que d'ici premier trimestre 2021, force centrale a avancé pour que les communes aillent passer dans 24 sur 24. Mon Saint-Marc, toutes amis qui viennent plage dans une zone bois neuf pour jusqu'à où il y a une zone, n'a pas eu de zone. Centrale Saint-Marc va pour l'alimenter nous. Pour nous courir 24 sur 24, mais pour ne pas payer, c'est payer. Parce que si nous ne payons pas courant, nous ne pas courant. Central Saint-Maxa va l'alimenter, bon bout de réseau qui manque. Mon directeur général EDH a bonne nouvelle déjà, que bout de réseau qui manque, qui sont pour sortir mon oui, pour nous dérouler à nous en et pour le construire. Ça les a fait à tout côté dans le pays. Tenez, quoi 24 sur 24 là, il est rappé, mon attaque avec mon cabaret, il est juste sous ce matin là, EDH construit pour nous. Allez dans la centrale Akaya, n'a pas eu. Le travail qui commence à faire pour tant de surprises par nous arriver. Central Akaya va augmenter de 1,8 MW pour alimenter Akaya Cabaret 24 sur 24. Mon Jacques Mel, mon Marigo, mon Kai Jacques Mel, Central Jacques Mel va augmenter tout pour que Jacques Mel, qui c'était la première ville dans le pays d'Haïti, qui devient courant. Première ville. Et pourtant, Jacques Mel était comme tombé dans des faits noirs, inacceptable. Je dis à décision pour Jacques Mel passer 24 sur 24, je dis à Jacques Mel, à regarder dans le central Jacques Mel là, dans le travail qu'il a fait, et déjà j'ai une surprise pour nous. Nous disons, nous allons déconnecter Tigouave sous Miragouane. Tigouave va le supporter lui-même avec Grand Gouave seulement. Mais nous demandons l'électricité d'Haïti pour boucler les eaux crédits pour sortir Grand Gouave là, pour arriver. Kafou du fort, il faut le construire. Parce que tout le monde fauché, tout le monde vient dans ça, il faut le courant tout. Ça veut dire, en fait, centrale Tigouave là, nous allons augmenter, nous allons mettre 1,8 MW de soleil pour nous alimenter 24 sur 24.
Grand Guave, Tiguave, Fauché et La Durée. Et Mouni Aguane, nous allons mettre tête nous. Allez visiter Renault, ça, qui suppose EDH. Guette a commencé, travail qui suppose EDH à côté de nous. Ça veut dire nous, Mouni Aguane, pour aller propre centrale paille, pour alimenter Mouni Aguane, paille, avec Tirigé de Béni. Pas de côté de l'EDH, pas de bon. C'est ça que je dis, et je l'ai même fait. C'est pour me dire tout le monde, jeudi, 1er janvier 2021, son date mémorable pour le pays d'Haïti, et c'est ça que nous choisir d'être à tout pour expliquer trois projets. Ça fait courant. Mounokai, pour ne pas oublier, central local, là, nous allons visiter. Mounokai, regardez, pour ne pas surpriser EDH pour une réserve pour nous. Il y a un travail qui commence à faire pour que Okaï vienne 7,2 MW d'augmentation sur lui. Pas de côté dans le pays qui n'est pas électrifié parce que c'est pour ça que nous devons pouvoir. Nous devons pouvoir pour nous respecter l'engagement de en face de nous. Engagement pour nous mettre courant, je me fouille même. Après le coup de dame, je vais me retirer. Je vais mettre gants, je vais me fouiller même encore. Et me pèser tête dans le pays, cette fois-ci. Parce que j'ai des têtes couleurs, je ne vais pas couper, le pays, je ne comprends pas. Et c'est coupé pour me couper. C'est pour ça, monsieur, dame, responsable sécurité dans le pays, je vais parler avec la police, avec la médaille. C'est pour nous, tous ces points être nous, parce que nous sommes deux forces que la Constitution dit qu'il y a droit pour des armes dans le pays. Ça veut dire un monde qui a des armes dans le monde, qui fait des ordres, ou tout comme ça, qui a pris vous. N'importe qui monde, quel que soit couleur, quel que soit. Degré de richesse ou quel que soit degré de pauvreté. La police des plus bois d'abord, ou qu'on dit ça capriser, parce que la paix, c'est ça nous besoin. C'est sécurité nous besoin pour nous faire tout ça, nous devons faire dans le pays. C'est pour nous dire toute la petite ville, nous ne pas citer. Il faut nous dire que le programme sur 43 l'autre commune, nous ne pas citer, le programme nous lancé. Poteau électrique, je remercie la Commission nationale marché public, la Cour des comptes, qui nous même travail, qui fait que je dis à commande. Poteau, il y a une phase finale. L'aide de crédit partie pour que 11 406 poteaux électriques dans le pays qui va permettre de construire 570 km de réseau électrique à travers tout le pays. Ça veut dire 6 villes petites. Combien de kilomètres de réseau ont 6 villes besoin? Maximum, c'est 10 km. Ça veut dire toutes les villes vont passer. Que nous parlons de mont organisé Capoti, Valière, Calis, qui est un réseau qui a construit aujourd'hui. L'autre petite ville qui pourrait avoir un réseau. Nous n'avons pas besoin de fatiguer nous. Construction réseau électrique, pas nous. Après le nous joindre nous. Toutes les petites villes nous pas cité là. Tant pour Cognon, Gambois, Salamette, tout côté nous pas cité, net réseau électrique a privé sur nous. Pas de yon côté, B2M, tout côté pas de réseau électrique dans le pays. Réseau électrique a privé, construit la caille nous. C'est pour ça que nous construit. Département Grandesse, c'est le département qui fait mal dans la commune qui va avoir un bon réseau électrique. 11 communes sur 13 communes dans Grandas, pas une réseau électrique. Toutes, en commune dans la commune Corail, qui lui-même étaient des communes oubliées, abandonnées, nous n'avons pas un poteau électrique Corail. Réseau électrique par construit dans toutes, parce que nous, tous ces haïtiens, quel que soit côté nous dans le pays, président songez nous. Pas de monde, nous avons vu nos grands gosiers dans Ansapi, en Tiop, nous avons vu dans Fond Verret, pas une commune dans le pays, pas bien réseau électrique qui construit la même. C'est pour ça que nous avons voté, c'est pour ça que nous avons un engagement devant nous, c'est pour ça que nous avons fait 22 mois marcher pour nous venir devant nous, c'est pour nous retourner pouvoir pour nous sous forme de service. Maintenant, ferme madame, nous pouvons aller, mais nous pouvons aller pour nous dire nous à tous, son choix que nous avons prêté au peuple là, choix là, nous avons nous tourner devant nous. Nous avons comment pour nous tourner devant nous? Son seul gens pour nous tourner choix là pour nous. Nous n'avons pas fait espace pour tout à l'heure. C'est pour nous tourner devant nous. Notre élection pour nous qui besoin de monter joie là encore pour nous prendre la main parce que on choix le prêter c'est pas mettre le tunnel mettre pouvoir électeur haïtien pas une petite passe coûte dans le pouvoir politique encore nous voulons tout le monde qui fait cauchemar ça pour le réveiller pour que je dis à vous comprendre pouvoir peuple haïtien dans le même lieu je dis à qui est le journal Moïse c'est balayer le voile pour et seuls gens qui ont côté, c'est gens la loi dit ça. Gens démocratie dit ça. C'est pour ça que le conseil électoral, là, décret référendaire à tout hier, pressé, m'a demandé calendrier,
calendrier pour nous connaître qui date référendum, qui date élection. Maintenant, des conseils à présider pour le faire. Nous jouons ça pour nous capables de mettre le peuple là au courant. Parce que l'année, ça, je nous dis, sont années constitution, sont années courant, sont années élection. L'année 2021, ça, sont années élection. Ça veut dire, tout ça qu'on fait, qui n'a niveau pas nous, comme l'État n'a fait, le ministre des Finances, le premier ministre, mettez quand on a un time pour que le budget conseil électoral n'a pas souffert. Tout côté qui vient pour nous donner moyens financiers, pour nous mettre à la disposition du conseil électoral, pour qu'il y ait une bonne élection qui peut être dans le pays, élection sans force côté. Élection côté monde qui vient, c'est de bien vrai. Élection côté monde, pas qu'à imposer volonté pareil. L'année 2021, ça, c'est une année élection dans tout pays démocratique. Nous prenons le pouvoir d'une seule façon. C'est une élection. Madame le président, irresponsable. Si nous ne pas prendre mesure pour organiser l'élection pour renouveler le personnel politique du pays. Tout de suite après le référendum constitutionnel, l'élection législative, présidentielle, municipale et locale doit organiser. Et c'est ça qu'a fait. Mais c'est démocrate. Je crois dans l'institution. Je dois faire tout ça qui m'a limité pouvoir moi pour me rétablir l'institution. Le pays a besoin d'institution. Institution qui est forte. Cap mettre au service de la population. Pour l'institution forte, je veux sortir une bonne élection. Élection qui est honnête, libre, démocratique, crédible et inclusive. Nous avons un engagement solennel devant le monde entier pour nous dire que le gouvernement a bâti le conseil électoral provisoire, tout moyen pour organiser l'élection dans toute transparence et indépendance. Et nous profitons d'occasion tout pour nous parler avec frères, sœurs dans la communauté internationale, là, pays qui amis nous, qui comptent nous coupe dans affaires élections à partir du 1er janvier, ça, comment se réfléchir, comment il y a venu en aide avec nous. Nous ne pas parler de l'argent seulement, mais toute aide en matière logistique, aide dans affaires ressources humaines, pour bailler le conseil électoral, la bon genre encadrement, organisation d'État américain, francophonie, toute l'autre organisation, l'Union européenne, qui vont nous beaucoup de main dans les affaires d'observation d'élection pour nous commencer à mettre tout le système en branle pour venir aider le pays d'Haïti, le pays d'Amérique, pour nous capables de réaliser une élection libre, honnête, démocratique, et inclusive. Charge-là, le lourd de la police nationale, le lourd de l'armée d'Haïti, c'est la veille faite pour nous continuer à faire la belle. Ce n'est pas les dominants géo pour manger Cabano, DG Polissa, Général Lamia, tout vos cadres dans l'armée de la police là, ils étaient pour ensemble, réunis chaque jour, réunis tout le temps pour nous commencer à travailler sur la sécurité du pays. Parce que nous c'est des gens qui sont responsables, font un chaîne pour nous mettre le pays en sécurité, pour nous mettre tout vagabond, tout bandit hors d'état de nuire. Nous avons remarqué, nous n'avons pas fêté le jour de la fête. Le coronavirus a empêché que nous invitions un pile de monde pour nous fêter ensemble. Nous faisons effort pour respecter les gestes barrières. Nous devons respecter la distanciation sociale pendant que notre fête là. Il y a une augmentation de la quantité. Coronavirus dans le pays. Je connais que le peuple a brûlé le télé. Je m'a dit nous continuer. Continuer pour une précaution. Parce que Corona est là toujours. Pour des masques, nous. Lavez-nous de temps en temps. Pas de collade. Pas externe la figure de l'autre monde. Et pas oublier mon doigt là. Mais pas pour un Corona. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché pour te attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son babes à chercher pour lui. D'accord?
Eh bien, passons une agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.